Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de météo. Alors j'en profite pour remercier de nouveau Lucie qui m'a remplacée durant mon absence. Et après ce beau temps anticyclonique, eh bien le ciel va de nouveau changer de couleur à partir de vendredi avec le retour des nuages et de la pluie en Vendée. On regarde dans un premier temps notre météo de ce mercredi 3 mai. Le soleil résiste en matinée et s'accompagne de petits nuages inoffensifs. Le vent va tout de même se renforcer. Quant aux températures, on attend un minimum de 9 à 10 degrés dans l'intérieur des terres et 11 à 12 le long du littoral. Dans l'après-midi, un voile de nuages vient perturber notre ciel vendéen. Cependant, le mercure s'annonce agréable avec une moyenne de 18 degrés sur les îles, 20 degrés partout ailleurs et jusqu'à 21 du côté de Fontenay-le-Comte. A noter que le vent se renforce, il souffle autour des 55 à 60 km/h en pointe. On passe donc aux prévisions des trois prochains jours. Jeudi, le ciel s'annonce variable, partagé entre moments de soleil et moments plus nuageux. Les températures sont comprises entre 13 et 20 degrés. Vendredi, le temps change, les nuages sont de plus en plus nombreux et quelques averses reprennent place dans le ciel, s'estompant en fin de journée. Le mercure suit la tendance, il amorce une légère baisse, comptez 11 degrés le matin, suivi de 17 au plus chaud. Enfin samedi, eh bien place à un temps mitigé avec de nombreux nuages tout au long de la journée. De petites averses ne sont pas exclues, notamment sur les îles vendéennes. Le mercure affiche une moyenne de 11 à 21 degrés. Revenons à notre mercredi 3 mai. Très belle fête aux Philippe et Jacques. Le soleil va se lever à 6h47 et se coucher à 21h17. Concernant l'état de la mer, elle s'annonce peu agitée avec des coefficients de marée de 68 et 73. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle semaine. À bientôt pour un nouveau point météo.